tous les amis, c'est comme vous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, les amis. Comme vous pouvez le voir sur l'écran et au titre de la vidéo, on se retrouve bel et bien sur Poppy Playtime. Et oui, les amis, je viens de l'acheter, donc je viens d'installer le jeu Poppy Playtime. Et du coup, j'ai déjà fait une game avant de filmer en off. Et mais franchement, j'ai apprécié le jeu, donc du coup, je vous fais une vidéo dessus. En attendant donc la sortie du chapitre 2, donc on va faire ensemble le chapitre 1. Chapter 1, A Tight Squeeze, donc voilà. On est un ex-employé de la Playtime Co. On retourne enfin dans la usine pour voir les disparitions. Donc on est parti, New Games. Allez, du coup on est parti, je vous laisse écouter. You are about to see the most incredible doll ever invented. Her name is Poppy, and she is the first truly intelligent doll in the world. A little girl can talk to her. Poppy gives her answers. She is the first doll actually able to have a conversation with a child. Hard to believe? Just watch. Poppy's as lovable as a real girl, and she talks like one, too. Hi, my name is Poppy. I love you. Can you help me polish my shoes? Why, of course, Poppy. Just like a real girl, Poppy always wants to look her best. Perfect. Thank you. Her hair is sturdy and won't come out when you brush it, and smells just like a poppy flower. Is there anything else you'd like to say, Poppy? I'm a real girl. Just like you. What's the time? Playtime! And if you've ever wanted to see how all of the nation's favorite toys were created, Playtime Co. is now offering factory tours at just $2.99 a person. An entire hour in the most magical toy factory on Earth. What are you waiting for? Come visit the factory. We can't... Et bien voilà les amis, alors on a bien vu l'introduction, donc franchement c'est vraiment un jeu qui est vraiment pas mal. Et du coup on est parti, alors on visite, donc on voit que c'est vraiment un endroit qui fait ultra sombre. Alors donc les touches, déjà les touches c'est vraiment inversé, donc j'avais pas l'habitude de jouer avec les touches bizarroïdes. Alors on peut pas, est-ce qu'on peut pas modifier les touches? Non, on peut pas faire de modification de touches, c'est quand même assez dommage. Alors, du coup, welcome. Alors, on va visiter donc déjà. Alors là, on fait quoi? Donc là, on peut pas y aller. Ok. Alors, ici, qu'est-ce qui se passe? C'est happening. Ok, donc il faut un code couleur. Alors, le code couleur, où c'est qu'on va pouvoir le trouver? Est-ce que ça serait pas en rapport avec les cases du sol? Je pense pas. Alors là, il y a une télé avec un lecteur. Est-ce qu'on peut prendre la cassette? Ah oui. Ok, donc la cassette, je pense qu'il faut l'insérer là-dedans. On va voir. Ouais, c'est ça. Hop là. Une petite animation. My name is Leif Pierre, and I'm the head of innovation here at the Playtime Co. Toy Factory. If you're seeing this, then you're trespassing. Yeah, we play this little tape on loop whenever we close the factory for the day. So, trespasser, just to make you aware, while we pride ourselves primarily on our high-quality toys and excellent childcare, we also pride ourselves on our security. For example, this facility is full of hidden motion triggers, which, once set off, will turn on the factory's emergency alarms and directly contact the authorities. And that's one of the more tame aspects of our security system.
No spoilers. So, you've got my warning. It's not too late to turn around. I just hope that you're certain whatever you're doing is worth it. Ok. Du coup, bon, on n'a pas les sous-titres, malheureusement. Est-ce qu'on pouvait activer les sous-titres? Est-ce qu'il y avait des sous-titres à activer ou pas? Substyle. Ah, voilà. Substyle. Ok. C'était ça. On va les ajouter, les sous-titres. Alors, on va visiter... Qu'est-ce qui se passe? Parce que là, j'entends un bruit. Ah, ok. Donc, c'est un petit train. Ok, on a... Qu'est-ce qu'on a d'intéressant là-dedans? Donc là, ça avait l'air d'être une boutique abandonnée, un commerce. Alors, le code couleur, est-ce que ça serait en rapport avec le petit train? Vert, rose, jaune, rouge. Vert, rose, jaune, rouge. Est-ce qu'on va tester ça? Est-ce que ça va être ça? Alors, personnellement, moi, j'espère que c'est pas ça. Si c'est ça, ils ont été forts. Vert, rose, jaune, rouge. Ah bah c'était ça. C'était le train. Ok. Alors, on a une télé, on a une cassette bleue. Ok. On va l'insérer. Ok, donc là il nous explique comment le grab pack. Ok, donc il nous explique à quoi ça va servir. Donc en fait c'est un grappin en fait. Donc c'était leur première invention, je pense. C'était leur premier jouet. Ok, ça nous servira de câble électrique. It's the time play time. Ok. Alors, à la fin du film, ça nous ouvre ça. Ok, on a la main. On a le crap pack. La main bleue. C'est marrant. Ah là. Ok. Alors c'est un petit jouet ici. Alors le toit. Ok. Bon, assez plaisanté. On doit aller où maintenant? Ok, welcome. Bah moi je pense qu'il faut aller là, parce qu'on avait vu une main bleue. Ok. Hop là, je pense qu'il faut faire ça. Chargement. Attention, je crois les choses commencent. Ça va faire flipper, attention. Oh my god. Oh my god, c'est quoi ça? Tu es qui toi? C'est qui? Qui êtes-vous? Playtime. Go. Power up. Café. Alors, cafétéria, on peut y aller ou pas? Non, on peut pas y aller. Alors, le théâtre, est-ce qu'on peut y aller? Non, on peut pas y aller, ok. La zone testing. Non plus, ok. Power. Non plus, ok. Donc qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Là ça marchera pas parce qu'il nous faut la main rouge. L'innovation peut pas. Guy. Oh. Alors. Attendez, bah, les touches c'est vraiment compliqué.
Bonjour. Check. Check. Tiens. Alors, Huggy Wuggy, 1984. Playtime Co. as a designated. Alors, c'est quoi ce bouton? On peut. Allez, un petit deuxième. Encore une deuxième fois. Bon. Ok. Je vois qu'il faut aller là-bas. C'est toujours une main bleue. Ok. Là. What the fuck? Il avait pas de clé jusqu'à maintenant avant. Dites-moi les gars, il avait pas de clé avant. Allez, donne-moi ça. Merci. Merci mon pote. Merci mon petit pote. Alors, c'est la clé de quoi? Je crois que c'est la clé de du power. Ah ouais. Ça semble. Oh là. Oh là là, j'aime pas ça du tout. Attendez, la lumière elle est normale. Et comme par hasard, d'un coup elle clignote. Mais où? Mais what the fuck? Bon. Qu'est-ce qu'il faut faire? Oh! Alors, comment ça s'appelle? Ça m'a pas l'air d'être. Alors. Ça m'a l'air d'être qui s'initie ça. Voilà. Il fait bien sombre. Ok, donc les générateurs. Ok, alimentation. Ok. Du coup, faut faire quoi? Main bleue, verte, jaune. Ok. Ah d'accord, faut qu'on dise ça. Grab to deliver the bridge. Hop là. Ah d'accord. Faut passer. Allez, on voit le Eggy Woggy. Mais non, il est passé où? Il est passé où les gars? Mais où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est les gars? Il n'y a plus personne. Bon, on va continuer. Chargement. Ok. Il fallait qu'on remette l'électricité. Make a friend. Oh my god. Dites-moi pas qu'il est là. Bouge pas. On peut le checker. Est-ce qu'on peut lui faire un check? Non, peut-être pas. Alors. Oh my god. La main elle a bougé. Moi je vais aller là. Non, ok, on peut pas. On est obligé d'aller là. Ok. Ok, il faut aller une cassette jaune. Des piles. Ok, une autre pile. Ouais, il y aurait pas une cassette. Est-ce qu'il y aurait une cassette quelque part?
On n'a pas trouvé de cassette, les gars. Mais bon, on va continuer. Oh my god. Ok, bonjour. Qu'est-ce que tu fais là, mon petit? Ok. Donc on a remis en route le... On a remis en route le... La... l'usine. Ok. Ah d'accord, on a la main rouge. Yes, yes. C'est génial ça. Du coup, ça veut dire maintenant... Attendez, j'en viens... Bon, bon allez les gars, alors on est reparti. Bon, on en était où? Ok. On était encore ici. Du coup, on est parti. Un peu. Main rouge. Changement. Faut pas de cardiaque. Du coup, on doit avancer. Ok. Ok. Ok, faut faire ça. Ok. Du coup. Ok, on a un générateur là. Ok, on peut pas monter, faut faire le tour. Ok. Ok, on peut remonter par là. Hop là. Ah, ok. Et. Oula. On a remis en route le générateur. Bon, ça va nous emmener où maintenant? My god. Ok, ça nous emmène où? Friends, make a friend. Make a friend. D'accord, ok. Make a friend, make a friend. Nanana, ok. C'est chaud patte. Alors, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse ici? Ok, on peut pas aller là. Ça, on peut les tirer ou pas? Non, on peut pas les tirer, c'est coincé. Est-ce que ça on peut les activer? Est-ce que ça on peut l'activer? Non, il manque l'alimentation. Alors, je vois qu'on a un escalier là. Ok, faut peut-être monter. On va monter. Hop là, on monte, on monte, on monte, on monte. On accélère. Cassette violette. On va aller voir ce qu'ils nous disent.
So, Stella, what made you want to work at the Playtime Co. Factory? Playing with toys when I was young was so magical. I could go straight from my bedroom floor to anywhere in the world. It was such a great feeling. And being able to work at a toy factory, somewhere that can provide kids with that same experience, that's a pretty great feeling too. Sometimes though, I really, really wish I could go back. To being a kid, I mean. And it's weird, because adults are just kids, but older. I don't think anyone ever really feels like an adult. But your body just gets older and older, and then you die. Poof! Human bodies just can't stay young forever. There's things, though. Like some trees that can stay alive even while being way older than a person. I mean, the oldest people to ever live are still younger than those. So I guess everyone is always young relative to something. Right? All right, I think we're getting a little off track. Ok. Bon, maintenant, ok, vous pensez qu'il y a de l'électricité. Alors, l'électricité, donc le numéro 1, ok, ici. Ok, donc il faudrait qu'on aille là, à celui-là. Donc, comment faire? Donc, faut qu'on fasse ça. Je pense qu'il faut qu'on fasse. Ok, on passe là. Ensuite, faut qu'on passe. Donc, dans celui-là, on fasse un petit tour comme ça. Et on fait là. Et généralement, tout est tourné. Alors, est-ce qu'on a des dégâts chutes? Non, on n'a pas de dégâts chutes. Ok, c'est marrant. Bon. Maintenant on a mis ça en route. Ouais. On peut récupérer, ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on va se... Faut pas, j'espère pas qu'il faut pas mettre le jouet ici. À mon avis, y a pas le choix. Ok, ça nous joue scan. Ok. Du coup, maintenant, faut qu'on aille par là. Alors, est-ce qu'on y va ou pas?
on va faire un truc, on va prendre des cartons. Alors, on va tester un truc. On se balade. On fait un petit déménagement, nous. Hop là. Non, mon petit. Oh my god. Oh my god. Oh, c'est fait avoir. Oh my god, j'ai au moins eu le screamer. Allez, on recommence. On va recommencer à partir d'où ? On recommence à partir de là. D'accord. Allez, viens, mon petit. Je sais que t'es là, mon petit. T'es gentil. Oh non, il est là. Oh non. Hop là. J'ai pas envie de me retourner, les gars. Je vous dis, j'ai pas envie de me retourner. Tente un glitch. Ça a marché. On voit Yuki Wuki. On a le Yuki Wuki devant nous. On avait le Yuki Wuki devant nous. Ok, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse là? La caisse, je crois. Hop là. Ouf. Oh my god, au revoir Ubi. Ouf. Ah, on l'a échappé belle. J'ai pas voulu me... Ah. Ok, du coup on va... Ok. On voit que... Oh, il a mangé du sang et tout. Open news. Les gars, ah, une cassette. Les gars, c'est la zone, la fleur du trailer, du début. Bon, on va aller voir la cassette avant. Final log in relation experiment 1006, the prototype. Coordination and cooperation is evidently within his skill set. As well as the skill set of all other experiments of his type. Though still missing, today's events are no doubt in relation to him. His
absence was a flaw in the scientific process, which should have under no circumstances been left unaccounted for. That's why I'm making this log, so that the same mistake won't be made twice. Any future experiments will need to be contained and disposed of in a secure location. I'm not worried about myself. One breakthrough and I'll be back. We must forge onwards in the name of science, whether those who are beneath us understand it or not. End of... D'accord, ça se termine comme ça? Ok. Bon. Bon, on va y aller. C'est chelou là. No run, no stop, go back. Danger. Turn around. No run, no stop, go back. Run. Ça, c'est creepy ici. Il faut pas qu'on hypnotise, on doit pas courir, on doit pas s'arrêter. On court à un grave danger. Voilà. On va courir, on s'en fout. C'est quoi cette zone? On est dans une maison. Il y a une porte. Il y a rien là-dedans. Non, il y a rien. On a une nouvelle porte. C'est quoi cette lumière rouge? Bon, on va y aller, les gars. Non, c'est Poppy. Les gars, c'est... on a trouvé Poppy. Bon, est-ce qu'il faut l'ouvrir? On va attendre, on y va. Oh my god. You opened my case. Vous avez ouvert ma caisse. Je crois qu'on n'aurait pas dû. Chapter 1. Oh punaise. Enfin les gars, on a réussi ce putain de chapitre. Ce chapitre 1 de Poppy Playtime avec Huggy Wuggy. Enfin, je pensais pas qu'on allait le réussir. Mais franchement, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel, vraiment énorme. En attendant le chapitre 2, donc les gars. On va attendre le chapitre 2, bien sûr. Dès que le chapitre 2 sera sorti, eh bien, vous aurez la vidéo dessus. Vous aurez bien sûr une vidéo dessus, donc restez bien attentifs, restez bien concentrés sur la chaîne. Ça va vraiment arriver dans les... très prochainement. Donc le chapitre 2 est prévu pour le mois de mars, apparemment. Donc, le chapitre 2 va arriver. On verra ensemble la bande-annonce, bien évidemment. Je vous ferai partager la bande-annonce du chapitre 2. Donc on essaiera de voir ensemble cette fameuse bande-annonce. En tout cas, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si ça vous a plu, bombardez la barre des likes. N'hésitez pas à vous abonner, à bombarder la barre des likes. Et moi, ceci, je vous dis à la prochaine. Ciao !